Alors c'est un bouquin que j'ai porté pendant une vingtaine d'années en me disant un jour j'aurai le temps peut-être, etc. Je faisais beaucoup de scénarios de cinéma et de télévision et là j'ai eu le sentiment que j'avais peut-être plus autant de temps que ça devant moi. Donc il fallait commencer à finir. Voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais finir ça. Je peux vous dire simplement que c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Schneider, qui tombe follement amoureux d'une femme. Et puis ça arrive dans plein de vies, ça, il se quitte. Et 2 ans après, Schneider va en mourir. Voilà. Il y a des choses qui manquent comme ça, une personne peut. Je vais vous paraître un peu naïf et stupide, mais je pense qu'on peut aimer quelqu'un au point de ne pas pouvoir vivre sans elle. Ou ne pas, de pouvoir survivre sans elle, mais de ne pas pouvoir vivre sans elle. Bah moi, j'ai un problème avec le roman noir, parce que je ne sais pas ce que c'est. On m'a dit, tu fais du roman noir. Bon, j'ai été flic, je m'en vante pas. C'est pas mon fond de commerce, le flicard, c'est pas mon truc. J'ai fait du polar, mais au fond, c'est toujours la même histoire. Je veux dire, je m'intéresse à la vie, à la mort, à l'amour, à des sentiments réellement humains. Maintenant, le type, il a une commission rogatoire ou pas, le tabac c'était prévenu ou pas, je m'en fous. Il y a quelque chose de bizarre, c'est que je pensais pas. Je disais à Guéry, mon éditeur, c'est con que tu prennes ce bouquin, tu vas encore perdre du pognon, quoi. Et mon lectorat, ça tient à peu près dans une cabine téléphonique vitrée, quoi. Et je pensais pas, mais je suis sérieux en disant ça, je pensais pas que des gens se rappelaient Pagan, et je pensais pas qu'il restait autant de gens qui attendaient. Ça m'a. Des gens que mes proches connaissent et qui ont dit, mais on m'a dit qu'il était parti, quoi, qu'il était plus là, qu'il était mort. Et ouais, pourquoi pas, quoi. Mais je pensais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient attendre. Ça me fait plaisir, hein, je vais pas. Je crois qu'il faut pas hésiter à dire quand quelque chose fait plaisir. Ça me fait très plaisir de penser que des gens. Alors de la sympathie pour moi, je m'en fous, c'est pas mon problème, mais des gens qui ressentent les sentiments que je mets en avant et les valeurs que je mets en avant. Ça m'est extrêmement. Pour moi, c'est très important. Et ça, j'ai des exemples précis. J'ai un exemple absolument extraordinaire d'un copain, j'étais inspecteur, il était divisionnaire, donc il y avait une différence d'âge, de culture, et un jour, ce type qui était un rock, c'était. Il a perdu sa femme à la suite d'un cancer, il ne l'a pas égaré, hein. C'était pas un trousseau de clé, elle est morte, et il s'est suicidé 1 an après. Et franchement, Schneider, quoi, personne n'y croirait. Voilà. C'est compliqué l'âme humaine, vous savez.